tous, on se retrouve pour une vidéo AliExpress. Donc voici tous mes petits trésors que j'ai commandés sur AliExpress. Je me suis munie de mon téléphone parce que je vais pouvoir regarder les prix. Parce que je ne me souviens plus, hein, vous savez que sur AliExpress, quand on commande, on reçoit les produits assez longtemps après. Voilà. Donc, je vais regarder les prix de ce que j'ai acheté, de ce que j'ai reçu, pour pouvoir vous les montrer. Donc ça, je l'ai reçu hier. Donc, vous voyez, là, c'est pas très, très bien emballé. Hein. Ils ne sont pas embêtés. Bon, après, c'est métallique, donc ça craint pas grand-chose. C'est un petit support pour poser votre Beauty Blender. Donc, ça se présente comme ceci. C'est métallique. C'est de couleur rose gold. Ça fait un petit peu des petites oreilles de chat. Alors, j'ai trouvé mignon à poser sur votre bureau, votre coiffeuse, votre commode, ce que vous voulez. Pour poser le Beauty Blender, c'est plutôt sympathique. Et cette petite chose, je l'ai acheté pas très cher. Je l'ai acheté 80 centimes. Je vais vous montrer si vous y voyez quelque chose. Le prix est par ici. Voilà. Je l'ai acheté 80 centimes d'euros, hein, bien évidemment. Plutôt joli, j'en suis assez contente. Ensuite, je fais déjà les petites choses, puis après je vous montrerai les palettes. Hein. J'ai acheté des palettes de maquillage. Donc ceci, c'est comment on appelle ça? Un concealer, donc c'est-à-dire un anti-cerne, une crème de camouflage. Voilà, eux ils appellent ça le full cover de la marque Popfill. Et donc c'est en crème. Et j'ai acheté ceci pour faire des maquillages un peu plus sophistiqués où vous avez déjà dû voir sur YouTube où on prend en fait, je m'excuse hein, mais j'ai trois ongles cassés, je me suis fait très mal, voilà, je vais les réparer très très vite, où l'on prend en fait du produit comme ça couvrant et on en remet au niveau de la paupière mobile une fois qu'on a déjà en fait placé le fard en creux de paupière et le fard en fait en coin externe, et après par dessus ça, ça va nous permettre en fait de reblanchir la paupière, et par dessus on va pouvoir mettre un fard avec une couleur très intense, très pétante, et ça va nous permettre de redonner au fard vraiment toute sa couleur initiale. Donc je testerai et je vous en dirai des nouvelles. Ça, je ne l'ai pas payé cher non plus, bien sûr, sur AliExpress. Donc ceci, je l'ai acheté, je l'ai acheté 93 centimes. Voilà. Ensuite, ceci. Donc c'est arrivé dans une petite pochette. Plus ou moins en papier cartonné, voilà. Je m'en mets plein mes doigts. Et donc, ce sont des petits gels hydroalcooliques qui vous font penser, bien sûr, aux petits gels Merci Andy dans leur ancien packaging. Donc là, c'est de la marque Starkiss. Il y a des petits points, des petits grains, comme un peu comme dans les Merci Andy, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, j'en ai pris un à la fraise. Voilà, qui sera pour ma fille Samantha. Et j'en ai pris un à l'aloe vera pour ma fille Amanda. Donc, ils sentent très bon, malgré qu'ils sentent quand même l'alcool. Mais ils sentent bon. Ça va. Celui à l'aloe vera sent vraiment très, très bon. Ça masque plus l'odeur de l'alcool, je dirais. Voilà. Donc, ils font combien de millilitres, ces petits gels hydroalcooliques? Je ne saurais vous dire... 29 millilitres, voilà, ils sont plutôt sympas, légèrement colorés, voilà, mes filles ont été très contentes quand je les ai reçues, donc je vais pouvoir leur donner dès ce soir, et ces petits gels hydroalcooliques m'ont coûté 98 centimes la pièce, donc, hop. Je vous montre, comme ça, vous ne pouvez pas dire que les prix sont faux. Je suis désolée, mon téléphone sonne, je vous laisse 2 minutes. On continue avec les petits produits. Donc ça, c'était un petit lot que j'avais acheté pour ma fille Amanda. Donc elle a déjà pris les autres, il y en avait 5. Et je vous en montre qu'un. En fait, ce sont des petits tubes vides
pour faire des gloss ou des rouges à lèvres liquides. Vous avez ici le petit plastique à enfoncer dedans. Là, je ne vais pas le faire parce qu'elle n'a pas encore mis ses produits pour justement essorer le pinceau. Donc voilà, c'est plutôt bien. Elle vous laisse fabriquer elle-même des rouges à lèvres. Donc, plutôt sympathique. Et ça, le lot de 5 coûtait... Le lot de 5 m'a coûté 2,98 €. Voilà. Ensuite, j'ai acheté des petits pinceaux pour les yeux. Donc, c'est un lot de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pinceaux. Donc moi j'ai déjà acheté des pinceaux sur AliExpress. C'est vrai que la qualité n'est pas spécialement énorme, mais on trouve quand même des pinceaux avec lesquels on peut se maquiller. Les poils sont suffisamment doux, donc moi j'aime bien voilà les pinceaux fluffy comme ça, les pinceaux plats, pinceaux biseautés. Ça je sais pas si je m'en servirai, il est vraiment plat, vous voyez, tout droit quoi. Ceux-là je m'en servirai pas, donc je les donnerai. Ce sont des pinceaux un peu fluffy mais légèrement biseautés. Bon, je m'en servirai pas, donc ça je les donnerai soit à mes filles, soit je les mettrai dans un concours. Celui-là, c'est un plat mais assez petit. Ça j'aime bien les pinceaux crayons comme ça, c'est plutôt bien pour faire le creux de paupières. Donc voilà les 10 pinceaux pour 2,77 €. Voilà. Ensuite, ça c'est un collier que j'ai acheté pour mon petit chat Lucky, puisqu'il va dehors, donc je lui mets un collier. Voilà, on peut les acheter pour les petits chiens hein, parce qu'ils sont vraiment très grands. Vous avez un petit grelot, il y a des petites étoiles dorées dessus. Comme il est tout noir, j'aime bien lui mettre des colliers rouges, comme ça on le voit bien sur son poil. Donc voilà, plutôt sympathique, un petit collier de rechange parce qu'il les abîme énormément en allant se promener. Et ce petit collier pour le qui m'a coûté... Je ne trouve plus. Ce petit collier m'a coûté 85 centimes. Donc si vous avez des petits animaux à la maison, n'hésitez pas, c'est plutôt pas cher. Et ce sont des colliers de bonne qualité, hein, malgré leur petit prix. Ensuite, à nouveau des pinceaux. Donc un lot de 5 pinceaux qui ressemblent aux pinceaux Real Techniques. Voilà. Donc vous avez un pinceau légèrement fluffy. Qui peut servir pour mettre l'highlighter, voilà, des choses comme ça. On a un pinceau plat, bon, je ne sais pas à quoi il va me servir celui-là, je verrai bien. Voilà, on a un pinceau comme ceci qui peut servir pour poudrer, peut-être poudrer le dessous de l'œil, enfin, on en fait ce qu'on veut, hein, après... On a un gros pinceau comme ça qui peut servir pour la poudre ou le fard à joues. Ils sont très doux. Hein. Un pinceau fluffy comme ça, encore fluffy ou mélangeur pour le creux de paupières, la banane, pour estomper. Et on en a un tout petit qui va servir pour le coin interne, le dessous de l'œil. Enfin, voilà. Donc 5 pinceaux qui sont plutôt pas mal. J'en ai déjà un comme ceci que j'avais acheté sur AliExpress. Je l'ai beaucoup aimé, je m'en sers encore hein, à l'heure actuelle. Il est vraiment très bien, moi je l'utilise pour le blush. Donc ce lot de pinceaux, je les ai eus à 3,79 €. Ensuite, un collier anti-puce pour chat. Donc, je vais l'ouvrir pour vous le montrer parce que je vais le mettre à ma minette après. Donc il est rose, ça sent mauvais hein, puisqu'il y a du produit anti-puce dessus. Elle en a déjà un comme ça et j'en ai commandé un rouge pour Mielou hein, puisque lui c'est un garçon, on va peut-être pas lui mettre un collier rose. Ils sont très efficaces, hein, les petits colliers anti-puce de chez Axe
actions sont très très bien pour les chats ou pour les chiens, mais j'ai testé que ce pour chat pour l'instant. Et donc ce petit collier anti-puce, il m'a coûté 50 centimes. Donc, quand on voit le prix dans le commerce, un collier anti-puce pour chat, il faut compter autour de 6-7 euros. Voilà. Donc, on va pas pleurer. Maintenant, on va passer aux petites palettes pour les yeux. Donc, j'ai acheté celle-ci, la Kilid. Je ne sais pas comment on dit kit. Voilà. Bon, l'étiquette n'est pas très belle. La boîte est toute simple, toute noire. Ils ont fait plein de bulles au niveau de l'étiquette. Mais bon, on va dire qu'on s'en fiche un petit peu. Il y avait un petit plastique, mais il vient de tomber. Et voici les teintes de cette palette. Voilà. Alors, je ne vais pas vous faire des swatchs là maintenant parce que j'ai plusieurs palettes à vous présenter. Je vous ferai peut-être un ou deux swatchs vraiment de teintes qui me paraissent un peu spéciales. Mais par contre, vous avez en barre d'information, tout en bas de la barre du déroulé de la barre d'information, vous avez l'adresse de mon blog. Et sur mon blog, je vais faire une revue de chacune de ces petites palettes AliExpress. Donc, vous pourrez, alors bien sûr, pour l'instant, elles n'y sont pas. Vous pourrez les retrouver, on va dire, d'ici le mois prochain. Voilà, vous aurez une revue complète sur le blog avec des swatchs, etc. Donc, cette petite palette m'a vraiment coûté pas cher du tout. M'a coûté 3,30 €. Là. Ensuite, une autre palette. Donc, vous voyez, des fois, ça arrive comme ça dans des enveloppes. Et puis, vous avez... Il y a des bulles, en fait, à l'intérieur. Hein. Donc, moi, j'ai eu de la chance. J'ai eu aucune palette qui n'est arrivée cassée. Ma fille en a eu quelques-unes qui sont arrivées cassées. Donc, c'est la Sunset Dusk. Donc, vous avez une petite boîte en carton comme ça. La palette est entièrement en carton. C'est de la marque Beauty Glaze. On a toujours un petit film protecteur, il n'y a pas de miroir et la palette se présente ainsi. Donc derrière, enfin en dessous de la palette et derrière, on a le nom des fards. Donc on a 3 x 5, 15 fards qui sont ma foi très très jolis. Je ne vais pas vous swatcher ceci. Parce que voilà, ce sont des couleurs basiques. Mais la palette est plutôt belle, plutôt dans les tons un peu chauds, des couleurs vraiment chaudes. Ça nous fait penser à la Desert Dusk palette ou à la Naked Heart. Donc voilà, des tons chauds, belle palette. Ensuite, encore une grosse palette. Donc celle-ci, c'est la We Care Your Favors de la marque Focalure. Donc Focalure, c'est une marque qui me plaît beaucoup. Voilà, que j'ai découvert sur AliExpress et qui me plaît vraiment beaucoup. Donc là, on a vraiment un bel emballage. Donc elle est arrivée dans une enveloppe bulle. Vous voyez qu'à l'intérieur de la boîte en carton, on a encore un carton protecteur pour la palette. Voilà, donc je la sors. Elle se présente ainsi, donc toujours en carton, excusez-moi, toujours en carton, sur fond noir. Vous avez donc le nom de la palette dans un carré un petit peu rose gold. Elle est très très jolie, très sobre, toujours le petit la petite protection plastique. Et celle-ci, je vais vous faire quelques swatchs. Voilà, donc vous voyez ici, c'est marqué Focalure et voici les couleurs. Donc, qui sont magnifiques. Vraiment magnifique. Donc je vais vous faire un ou deux swatchs des teintes qui sont un peu... Excusez-moi. Des teintes qui sont un peu satinées. Et puis je vais vous faire un swatch d'une teinte mate. Pour vous montrer un petit peu tout ça. Donc voici la teinte mate. Et deux teintes satinées. Regardez-moi cette merveille au niveau de l'intensité des swatchs. Splendide, et j'en ai encore sur les doigts. Je m'excuse si je vous fais bouger, je prends un petit mouchoir en papier puisqu'effectivement vous êtes posé sur ma boîte à mouchoirs. Donc c'est tenace, hein, ça tient bien.
vraiment comment la pigmentation des fards est au rendez-vous. Hein. Donc vraiment super. Tout pareil hein, que pour la première palette, hein, que les premières palettes. Vous aurez une revue sur ma chaîne très très prochainement. Donc je vous laisse en attente pour l'instant. Une autre petite palette de la marque Beauty Glazed. Donc toujours une petite boîte noire en carton. La petite palette est en carton. Elle est beaucoup plus petite. On a une protection plastique. Et là, nous avons 5 fards mat et 5 fards paillettes. Donc pareil, je vais vous faire un ou deux swatchs. Un swatch par exemple, voilà, de la teinte la plus claire. Et puis un swatch de paillettes pour que vous vous rendiez compte de ce que ça donne. Donc les paillettes, je vous conseille de les appliquer au doigt. Mais franchement, donc la teinte la plus claire, on ne la voit pas énormément, mais c'est normal puisqu'en fait, elle est légèrement plus foncée que ma peau. Donc là, on a la teinte claire, le rose clair, et puis là, vous avez les paillettes. Donc c'est vraiment chouette. En fait, les paillettes, vous pouvez vous en servir pour mettre par-dessus un fard mat sur le milieu de la paupière mobile. Ça peut être très, très, très joli. Alors, ça part plus. Hein. J'en ai plein les doigts. Voilà, des fards superbes. Une petite palette super belle. Ah, je ne vous ai pas donné les prix des palettes, je suis en train de me dire. Non, mais n'importe quoi. Alors, la Sunset Dusk, donc celle-ci que je vous ai montrée en deuxième, donc la première dont je ne vous ai pas donné le prix, je l'ai eue à 4 euros. Ensuite, la petite, la dernière que je viens de vous montrer avec les palettes, je l'ai eue à 3,74 €. C'est pas celle-ci, si c'est celle-ci. Et celle-ci, la Focalure, la grosse en fait, que je vous ai montré juste avant, la Focalure, je l'ai eue à 5,72 €. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer comme quoi les Asiatiques peuvent faire de gros efforts quand ils veulent. J'ai commandé 2 palettes au même vendeur et il me les a envoyées dans un truc. Alors, il y avait une enveloppe en carton, bien sûr. Mais regardez-moi ça. C'est vraiment l'habit de cosmonaute. Donc là, les palettes, franchement, ne pouvaient pas casser. Donc, je vais garder ça parce que quand je vais vous faire un concours, si je mets une palette dans le concours, au moins, je serai sûre qu'elle arrivera entière. Donc, c'est plutôt sympa. Donc, j'ai acheté aussi la Tropical Vacation de la marque Focalure, toujours. Toujours l'emballage en carton noir à l'intérieur qui permet de garder la palette vraiment dans un état propre, pas abîmé vu que ce sont des emballages carton. Donc voici comment se présente notre palette. Elle est très très belle, elle reflète la lumière, elle est magnifique. Dedans, on a toujours une protection plastique. Là, on a aussi un pinceau double en bout. Donc, pinceau plat ici, pinceau fluffy ici, marqué Focalure sur le milieu. Il n'y a pas de miroir non plus. Et là, voici comment se présentent les fards. Donc, on a des fards mat, on a des fards satinés, irisés, on va dire. Des couleurs chaudes, des couleurs qui tirent un peu plus vers le froid, du clair, du foncé. Que demander de plus? Les couleurs sont très très belles. Je vais en swatcher une pour voir la texture et voir si la couleur est jolie. Voilà, ici, là. Franchement, très très jolie. Il y a des reflets, c'est magnifique. Voilà, je vais pas m'attarder plus que ça, c'est très beau. Et donc, celle-ci m'a coûté 4,55 €. Et la deuxième, qui fait partie de la même collection que j'ai acheté au même vendeur, qui s'appelle Ever Changing, toujours de la marque Focalure, bien sûr.
toujours l'emballage noir à l'intérieur qui permet de protéger la palette. Donc le boîtier est comme ceci, comme sa boîte. Nous avons aussi un petit plastique, toujours le petit pinceau, et là les fards se présentent ainsi. Donc toujours des fards irisés et des fards mat. Je vais vous en swatcher deux. Je vais vous les mettre ici. L'intensité des fards est vraiment, vraiment au rendez-vous. Hein. Vous voyez un bleu canard et un doré. Voilà. On peut pas dire c'est pas pigmenté. Hein. Donc voici à nouveau les fards. Donc vous voyez le doré ici et le bleu canard ici. Franchement, de très 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 belle palette. J'ai rien à dire quoi. Je suis bluffée à dire ça comme ça. Donc le même petit pinceau focalure double embout. Alors le pinceau est peut-être pas d'une excellente qualité. Je vais pas spécialement m'en servir, mais par exemple si on part en week-end, qu'on veut emmener une petite palette comme ça avec nous, parce qu'elle coûte pas très cher, comme ça, on n'a pas peur en fait de l'abîmer, moins qu'une palette à 50 € par exemple, et qu'on oublie ses pinceaux, eh bien on a un petit pinceau double embout dans la palette. Donc c'est plutôt plutôt pas mal, je dirais. Donc je vous ai présenté les palettes. J'ai plus qu'un article à vous présenter. Donc celle-ci m'a coûté, je vous les montre en même temps que l'autre, mais je vais vous le dire quand même, 4,62 €. Donc légèrement plus cher de quelques centimes que sa sœur. Et dernier article que je vais vous montrer, c'est un rouge à lèvres liquide qui m'a coûté 99 centimes de couleur verte. Ma fille cherche partout un rouge à lèvres kaki. On n'en a pas trouvé. Par contre, j'ai trouvé du vert. Donc je lui ai pris. C'est un vert un peu nacré, donc c'est pas vraiment ce qu'elle cherchait, mais je pense que ça va lui plaire quand même. Donc voilà, ici hein, il est là. Donc c'est un vert et là c'est de la marque Trainside. Et je vous ai dit 99 centimes ce petit rouge à lèvres. Donc voilà.